La police dépose la patte sur Stéphanie Modestin, côté que madame ça, lycéen proche, et bien ancien premier ministre Claude Joseph, oui, côté que là, mais il y a un nom, qui cite dans le rapport ULCC, et que, mais il y a un commissaire gouvernement qui bat le rendez-vous 27 novembre, alors va lundi cap vini là, mais madame a essayé pour le sauver, pour le passer, pour l'aller par la République Dominicaine, et bien votre nous dit où, la police dépose la patte, parce que dit non, pas gain côté pour corrupteur couri depuis où t'es à l'aise en fouille, mais on a l'argent, mais l'État, l'argent payé, faut qu'on paye. N'a vu avec plus de détails concernant information si la pour Zami Eterno. En effet, Zami Eterno, un grand matin, jeudi 23 novembre, la police arrivée déposer la patte sous Stéphanie Modestin, l'an airport, tous ses l'ouverture. Côté que, eh bien, madame Silla, lui-même, qui gen non li, qui cite l'an rapport ULCC. Côté que, gagne, mais commissaire gouvernement, nous parler de Elder, Jelder Guillaume, qui voyait causer, qui voyait invitation, bail, eh bien, Stéphanie Modestin. Faut nous dire que, Stéphanie Modestin avait essayé sauver, la PC, comment que le capable, pour lui, en, pas répondre, question pour lui parler présenter devant commissaire gouvernement en internaute, et bien faut nous dire que yo arrive à l'aide la technique bail que et bien gagné yon l'an moun si la yo qui sou route pour la gipiel, mais de ce fait la police li même li te retan sous les lieux, et bien là yo fouke madame nan la pour moment li l'an met la police nous dit que malgré que li connaît li gen invitation, malgré que connaît que eh bien commissaire et que commissaire gouvernement Jean-Elder Guillaume attend li l'an dossier ça, et bien faut nous dire d'ap essayer sauver d'ap essayer courir pour garder comment que t'es capable chapper pour lui, eh bien, faut nous dire que c'est bien compté, mal calculé, côté que, eh bien, Stéphanie Modestin là, l'irrité en Haïti, eh bien, faut lui répondre question qui vient pour avec dossier l'agent qui gagoté, l'an pays a, l'an sa qui rapport avec tous ces ULCC en zombie internaute. Grand fonctionnaire, ancien parlementaire. ULCC qui est épinglé mais un rapport côté où tu as acheminé rapport ça dans le parquet jour qui était lundi qui s'est passé ben tu as analysé dossier rapport si vous voulez commissaire gouvernement t'es décidé inviter moun qui épinglé par ULCC pour devenir un parquet. Comme nous autres, en tant que commissaires du gouvernement, chef de la poursuite pénale, nous avons invité tout le monde pour venir nous de ça et au reprocher. Je coïncidence hier soir, de très tard. Service de renseignement, bam! Il y a une dame qui est ancienne directrice adjointe ONA, qui ULCC épinglée, qui répond au nom de la dame Modeste Stéphanie. Donc nous avons interdit pour le quitter pays, elle ne pas connaître. Et comme de fait, nous mettons en état. Pour ça qu'il connaît, ULCC est reproché. Normalement, je ne peux pas décider de discernement d'Adamé contre quiconque parce que je ne peux pas attendre. Mais quand je suis au courant de la capitale, je ne peux pas garder là. Et comme de fait, pas qu'à mettre en bas. À bientôt. Est-ce que tout le monde nous parle obligé de mettre la dame de l'Espagne pour ne pas sauver? Amen. SG. Yeah.
mon grand détournement. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle s'apprêtait à partir pour la République avec un billet aller-retour. Et puis, mon agent d'immigration dit que il va capacité. Quand je suis arrivé, et puis on m'a dit d'attendre l'arrivée du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Et puis je suis venu, il m'a dit, écoutez-moi, dame te connaît, et qu'il parti. Est-ce qu'elle va recevoir l'invitation? Jamais. Mais depuis hier soir, l'invitation a circulé sur les réseaux. Ça va aller ici, elle va recevoir. Elle est obligée d'admettre qu'elle va recevoir. Mais peut-être que ça lui-même était obligé à voyager puisque qu'on est déjà indexé. Non. Tout le monde a liberté de voyager. Vous avez eu le même matin de mon jeudi à Batti, ma petite mère. Nous avons allé autour, on dit aller autour. On a montré sa bonne foi. Maintenant, ce qui est grave, c'est que le commissaire gouvernement pour tout ça, il n'est pas compétent pour venir ordonner la garde à vue de monde qui va aller au port, c'est sur la juridiction de la Croix démocrate. Donc c'est un purement arbitraire illégal. C'est un acte arbitraire illégal. Et puis nous pouvons faire ça là la démocratie. Mais est-ce que le commissaire gouvernement est quoi de bouquet à tout, pas de Bali et rentrer des lieux? C'est pas de bon tête. Il faut le montrer. Donc c'est purement arbitraire et illégal. Donc on va faire ce que la loi nous commande de faire, en pareille circonstance. Mais maintenant, client Oanli n'est en garde à vue. Est-ce qu'on espère jouer une libération le jeudi hein? Le plus rapidement possible. C'est un acte arbitraire, la loi dit ça. D'accord? Mais qui s'en est on est même? Je ne sais pas moi, je sais pas. Et est-ce qu'on ne connaît tout client Hollande lui-même? Il y a un dossier ULCC, un rapport ULCC sorti, qu'il y a un indexé comme quoi. Il t'a fait corruption en Naona. Je ne suis pas au courant. Pas au courant de rapports de l'USCCA. J'ai entendu qu'il y a des rapports qui ont été dressés, qui ont été acheminés au commissaire du gouvernement. Il n'y a pas au moins. Maintenant, même par contre, il a dit qu'il y a un monde qui est coupable là-dedans. Admettons un instant que l'ILCC est indexé au monde. Et alors, le commissaire s'est défait le dossier par le banquier de droit. Il va vouloir les mounions, il va vouloir arrêter les mounions. Il n'y a pas de flagrance. Mais après le commissaire Devina, est-ce qu'il va parler ensemble avec vous et en ce qui concerne un client, le commissaire ne va pas l'avoir? Oui, on s'est parlé. Je lui fais part de mes inquiétudes pour la loi. Ça le fait, c'est pas bon. Mais qui ça le va comme garantie? Il va gagner pour le bon garantie. C'est la loi qui va le bon garantie. Mais là qui soit pas attendre une action, on va aller dans ton action là. On va faire ce que la loi nous commande de faire en pareille circonstance. On va saisir. Je ne sais pas, mais la loi nous dit ce qu'on doit faire. On va faire ce que la loi nous permet de faire. Et on aura le droit, aura le pas sur l'arbitraire. D'accord? Je vous remercie. D'accord. Donc ton nom c'est Ephésien Voisin. Merci. Fabien Voisin. Merci. En matière de traitement d'information, la chaîne référentielle Ecolacay. À chaque heure, à chaque minute, tous les jours, Ecolacay vous informe avec le même plaisir, le même professionnalisme. Besoin de vous informer à temps? Il vous suffit juste un clic. Ecolacay, le rendez-vous incontournable de l'actualité. Écoutez et regardez les news sur Ecolacay, ça fait plus d'impact. Et ça fait plus d'écho. Ecolacay, nous sommes toujours au cœur des événements.